Roulement de je suis ici pour vous raconter une histoire. Voyons, voyons, est-ce qu'on peut trouver l'âme? Mais je vois rien, je vois rien. Fais-moi tes lunettes. Ah oui, c'est mieux. Mais moi, ça me vient, alors, crois pour utile, tourne les pages. Voyons, voyons. Alors, je vais vous raconter mon histoire de ce matin. Tu peux pas me mettre ça mieux là, ça coule. Alors, non, mais enlève-moi ça m'embête. Il était d'une fois. Vous la connaissez déjà? Bon, ok. Ce matin, j'avais la dalle. Voilà, c'est tout, j'avais la dalle. Donc, je me promenais dans la jungle pour chasser. Et là, qu'est-ce que je vois? Un lapin crétin. Hein? Bon, voilà, c'est lui là. Un lapin crétin. Bon. Et donc, et qu'est-ce que je vois d'autre? Un gros cochon bien gras. Miam, miam. Et puis, une vieille chèvre, une vieille biquette là. Il sort un peu fort du bec. Ah, oh. Et puis, une grande vache. Et ben, je les bouffe. Voilà, je les bouffe parce que j'ai la dalle. Mais c'est que. Ils sont à quelqu'un, tous ces animaux. Et du coup, bah, les propriétaires, ces espèces de. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et ben, ils sont pas contents du tout. Ils veulent me faire la peau. Ils prennent des fusils, cette botte de zigomar, et ils commencent à tirer à gauche et à droite et à tort et à travers, et ils sont à deux doigts de se tirer dessus, hein? Et puis, ben, ils sont dangereux, ceux-là, hein? Alors, je commence à les ruser. Et puis là, ça mène, avec son air peaufinot et sa vue basse, le chef. Enfin, il pense être le chef de cette bande de zigotos, là. Hein? Et il commence à prendre son fusil, et il tire. Oh, mais c'est qu'il a deux doigts de tuer un de ses collègues. Et donc, du coup, bah, moi, je m'emmène discrètement, ce n'est rien. Je commence à humer l'odeur du vieillard. Je commence à me dire, je vais en faire qu'une bouche. Et mais c'est que les autres, ils sont affolés par ce coup de fusil, là. Ils s'amènent, et puis ils m'empêchent de croquer, le vieux.